Bonjour à tous, bonjour la team Piquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Top Hero. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos que vous pouvez toutes retrouver sur ma playlist de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo car je vais vous parler de l'évolution de vos héros. Comme vous avez peut-être pu le voir, à certains niveaux de votre héros, vous devez avoir des emblèmes pour pouvoir les passer de palier en palier. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis niveau 20, je le monte en XP. Pour le passer niveau 30, il me demande de le passer en palier supérieur, donc niveau 30 à 40. Là, pour pouvoir l'avoir, il faut que je trouve des emblèmes de ligue. Le meilleur moyen de trouver des emblèmes de ligue, c'est de passer ici dans le mode aventure, et ici, les paliers qui sont ici, qui vous débloquent, vous voyez, hop, je prends, et vous voyez, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Après, bien sûr, sinon, vous avez vu, je vous ai montré juste avant, si vous voulez passer celui-ci, que vous n'en avez pas assez encore quand même, vous cliquez dessus et vous voyez où vous pouvez en avoir. Donc là, moi, j'ai des coffres pour en avoir. Là, il faut acheter. Dans des quêtes mondiales, vous avez la possibilité de battre des boss. Ça, d'un boss, vous les donne. Voilà. Bon, ça, ces trois-là, ce sont des boss à battre sur votre carte. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus sur les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.